je suis arrivée à Chang et puis je suis avec Sonia. On est samedi le 4 octobre. C'est le jour de la cérémonie. Apparemment, elle commence à 10h. Je vais aller me préparer. Je vais d'abord faire mon workout de 10-20 minutes et je vais aller me préparer. Squat jump. Tuck. First lunge. Push up. Your timer is complete. Alors, je viens de finir 8 minutes d'exercice. Vous pouvez voir comment je transpire. Je vous l'ai toujours dit, on n'a pas besoin d'une grosse séance pour sentir son cœur battre. Alors, ne vous étonnez pas, I look like a masquerade, right? Il est 9h36, on est en train de partir de l'hôtel pour le village. On en a pour environ une heure de route. Parce que hier on a fait 40 minutes en 100 temps et peut-être plus de temps en entrant parce que bien évidemment on s'est perdu. Donc je dois réarranger le contouring, mettre ma perruque, mettre ma robe et tout machin. But I think I should be okay. J'ai bagarré avec mes eyelashes aujourd'hui. J'ai pu les mettre. Toi que vous les voyez là comme ça. C'était un combat du combattant. Mais bon, je suis contente que j'ai réussi à les mettre et qu'ils ont l'air normaux. Ils n'ont pas l'air fou. Donc je vais vous laisser parce qu'on va... Nous sommes arrivés, il est quelle heure? Il est 10h... Il est 10h09 très exactement, on vient d'arriver. Et ce n'est pas prêt de commencer, donc je suis ravie de ne m'être pas pressée. Mais je suis ravie que mon make-up soit fait quand même, parce que après j'aurais plus besoin de chercher un miroir et tout et tout et tout. Donc je vais juste refaire le contouring parce que j'aime quand c'est chat. Et puis je vais arranger le teardrop et puis je vais colorer mes lèvres. Et c'est que ça va rester sec toute la matinée, donc en plus. Bon, on n'a toujours pas commencé. Il est quelle heure? Il est 10h30, 10h35 je pense, 10h36. Mais comme moi j'ai faim, parce qu'en venant, je n'ai pas mangé parce que je courais, on m'a ramené mon breakfast. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je souris d'un moment à l'autre. Il y a une omelette, des beignets, de la confiture, du pain et je crois des beignets encore ici. Donc, à chaque fois qu'on mange, on doit être content. Donc, je suis content. Donc, je vous disais qu'on est sorti. Non, je ne vais pas dire qu'on était sorti, n'est-ce pas? Les choses n'ont pas commencé, du moins les choses ne se passent pas comme on veut tout le monde. On ne va pas dire qu'on est au Cameroun, mais ce sont les Camerounais qui demandent de ce pays. Hmm? Donc, on est supposé commencer à 10h. Il est midi. Il est midi 21. Moi, ne voulant pas rester sur place à ne rien faire, j'ai proposé d'aller chercher cette grosse tête-là, Karen. Et puis en route, on a récupéré deux autres invités. So, on est à quelques minutes du tout droit. Vous ne tournez pas. Je dis que tout droit, vous ne tournez pas, vous allez tomber sur la maison. Vous connaissez la direction là. C'est là-bas, c'est comme ça là qu'on est en train d'arriver là-bas. Donc, je vous revois pour le make-up. Hmm? Pour le make-up de Sonia. Ok? Later. Je suis avec elle là. Donc, je vais vous laisser. Je suis bavarder là. C'est moi qui vais la maquiller, mais on est trop pressé là. Donc, on n'a même pas le temps de trop bavarder. Regardez bien sa tête là comme ça là. Parce que... Ça, c'est le before. Ça, c'est le before. À la descente, l'avion, c'est cette carte que nous avons trouvée. Sachez que vous allez ajouter le billet d'avion là, parce que moi, on va aller le négocier. Voilà. En fait, pour cette cérémonie, le marié doit reconnaître sa femme à la vue des pieds. Plusieurs femmes lui sont présentées une à une et ça s'arrête quand il dit que ça ce sont les pieds de sa femme. Donc il doit reconnaître la fille qu'il est venu épouser juste à la vue de ses pieds. Et si ce n'est pas sa femme qui était présentée,
Il doit faire un geste afin que les mamans partent chercher cette femme, cette personne qu'il est venu chercher. On attend la voiture, on la voiture. Ah, c'est volant, ma pompe en bois. Nous avons arrêté, nous avons récupéré la femme, on attend la voiture. La voiture est en panne. La voiture est en panne. L'enclusion est platine. On nous a donné une enclusion. Alors là, on est bon. Nous avons tous compris. Madame Dario, oui, le père, quoi. On est témoins, Sonia. Beaucoup de témoins. Donne à ton mari. Sur vos ovations, le couple va entrer et puis on va attaquer à manger parce que j'ai déjà faim. Alors, il est... Godem, tu as quelle heure là, s'il te plaît? Il est 17h. Voilà, il est 17h. On va enlever vite ses lunettes. Il est 17h et on est en train de... On prend la route pour rentrer à Chang. On prend la route pour rentrer à Chang. On n'a pas de soirée de soir parce que c'est dans le village et il faut éviter les accidents et autres, tu sais quoi. Donc là, on va... On est en train de marcher pour partir et tout, et tout, et tout. Ils sont là derrière. Voilà, Godem. Say hi. Say hi. 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 Ils sont là-bas derrière. Donc, on va prendre la route pour Chang. Alors, je suis rentrée de Chang village de quelque chose comme ça. J'ai profité. Bon, quand je suis rentrée, j'ai commencé à faire mon sac direct parce que demain, je prends la route à 10h parce que j'ai envie d'être à Douala. Si c'est trop tard à 15h, et espérant que le trafic sur le pont nous laisse passer rapidement. Bon, là, je ne suis pas démaquillée, mais je suis au lit. Tout simplement parce que normalement, on a prévu sortir ce soir. C'est pas sûr parce que je pense que Sonia elle est encore fatiguée. Et si elle s'endort là maintenant, c'est pour je ne sais pas quelle heure. Et je ne pense pas qu'elle pourra sortir de son village à cette heure-là. Donc, je reste comme ça, tout simplement, en attendant. Si à 22h, 23h, j'ai pas de nouvelles, je me démaquille tout simplement, je vais pas dormir comme ça. Comme je vous disais, demain, je vais prendre la route à 10h. Et it is what it is. La cérémonie s'est bien passée. J'ai pas assisté à toute la cérémonie parce que, bien évidemment, je l'attendais dans la chambre pour la maquiller, pour habiller et tout. Donc. Je vais vous laisser pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer plus tard, mais sinon, peut-être ce sera la fin du vlog ou peut-être pas. J'ai déjà fait mes valises, elles sont déjà là.
J'ai encore quelques produits à l'extérieur parce que quand je vais me démaquiller, il faudra que je nettoie encore en profondeur le visage avec la machine électrique là et tout et tout. Je suis contente parce que j'ai réussi à mettre les eyelashes pour la première fois. Je ne me suis pas découragée, contrairement à aux fois où j'ai essayé et puis dit bon, ça m'énerve, ça me prend du temps et tout. Là, je les ai mis et ils n'avaient pas l'air fous quoi, comme des libellules et tout. Donc, je vais vous dire à plus tard, chasser bavarder. Je vous revois plus tard ou demain, hein, sur le chemin du retour. Bye! Alors, j'avais envie de manger du porc braisé. J'ai appelé le restaurant de l'hôtel et on m'a ramené du porc braisé. Mais on ne m'a pas ramené mes couverts. Donc, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de cuillère, il n'y a rien. Comme quoi, je dois manger avec les mains. Good. Bon, bon appétit à moi. Hein. J'ai pris ça comme ça. Coucou. Merci. Coucou. Il est 7h37 et on est en train de partir de Chang. Bonjour. Hein. On est en train de partir de Chang pour Douala. Donc, comme prévu hier soir, on n'est plus sorti, je l'avais dit. Et je l'avais prédit, je l'avais prévu parce qu'avec toutes les montées, toutes les descentes, toutes les tournures et tout, et pour un village qui n'est pas à 2 minutes de la ville, sortir de là à une certaine heure et y rentrer avec la fatigue, c'est pas évident. Donc, on est en train de prendre, on a pris la route là pour Douala. Je vais acheter quelques tubercules, quelques goodies en route, du plantain, de l'igname. Bien évidemment, ça reste pas chez moi, ça va aller chez ma mère. Donc, je vous revois, voilà. C'est un bon week-end, ce fut un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bonjour, bonsoir, je suis bien rentrée de Chang, j'étais dans la ville de Douala à 11h30. J'ai profité, j'ai fait un tour chez mes parents pour déposer les achats que j'ai fait en route. Et je suis rentrée, bien évidemment, j'ai fait ma valise, j'ai défait ma valise, j'ai pris une douche, j'ai mangé et là je suis dans le lit tellement je suis fatiguée. J'espère que vous avez aimé cette aventure, j'espère que, je pense que certaines d'entre vous seront nostalgiques à la vue de ces images. C'était ma deuxième fois dans un village comme ça à l'ouest. La première fois c'était à Bamseng et là je suis partie à Photomena, voilà. Et je remercie l'Éternel pour le bon voyage, la protection et le fait qu'il ait été mon guide durant tout ce voyage. Alors je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne journée. Abonnez-vous à mes pages Featuring by Meldy sur Facebook, sur Instagram et bien évidemment sur YouTube. N'oubliez pas de liker et de partager. Allez, prenez soin de vous. Bye.